Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le magasin de mariage de chez Playmobil. Donc c'est le numéro 5485. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu toutes les pièces qu'il y a, tous les accessoires. Donc c'est vraiment un petit magasin. Alors tout d'abord, donc là on a la vendeuse. Elle a une petite jupe rouge qu'on peut enlever comme ceci. Ici donc on a un petit comptoir. On a un gâteau par-dessus, on a un petit gâteau de mariage. Donc on a même un couple de mariés, des petites décorations sur le gâteau, donc des petits nœuds. Donc c'est sur une sorte de petit tabouret. Le gâteau est déposé sur une sorte de petit tabouret. Donc voilà, c'est assez mignon. Ici, là, on a le symbole du magasin. Donc là, c'est le symbole du magasin de mariage. Ici, sur le côté droit, on a une étagère avec des accessoires pour le mariage, comme des chapeaux. Sur l'autre côté, on a encore une des étagères. Et là, par exemple, on y trouve un éventail. Donc, oula. Donc voilà, on a différents espaces de rangement dans ce magasin. Là, dans le comptoir, on a aussi des étagères, des parties. Ici, on a sur le côté aussi un bouquet de fleurs bleues et blanches. Il y a un autre bouquet dans le magasin qui est proposé, hein, c'est celui-là, avec des roses rouges et blanches. Et un petit fond vert, petit paquet vert. Et ici, on a ce petit sac à main aussi. Et puis, on a aussi un autre type de sac à main. Donc voilà, on a deux, on a le choix. Ensuite aussi, ils sont proposés donc des chapeaux. Donc celui-là avec une plume bleue. Donc voilà, c'est pour les invités notamment. Pourquoi pas? Donc là, on a un autre style de chapeau avec une plume rose. Donc voilà, c'est une autre possibilité pour la clientèle. Donc on peut reposer tout ceci dans l'étagère. Là, on a un miroir, donc un gros miroir. Où on peut voir par exemple la vendeuse. Et bien sûr, arrive juste ici donc la robe de mariée. Elle est sur un mannequin. Là, on a aussi avec un très joli voile long également. Donc voilà, il est décoré avec plein de petites fleurs et très joli. Donc en fait, et sur le haut, donc en fait, on a une couronne de fleurs. Il y a quelques petits strass aussi sur la robe, comme ça, sur les côtés et sur la ceinture au niveau de la taille. Donc voilà, on va essayer porter la robe à la vendeuse. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là voilà, coiffée avec le voile et la robe. Donc voilà, on peut par exemple aussi lui changer de coiffure, c'est possible. C'est comme on souhaite. Et donc voilà un peu ce que ça donne. Je recule un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Elle est vraiment belle, hein, ça fait super joli. Donc voilà, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si ça vous plaît et puis ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien, bien sûr, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour me montrer que vous aimez. Là aussi, je pense que je vous ai tout montré dans ce magasin. Donc là, par exemple, on a encore aussi ce sac à main. Là, ce sac
ce sac pour le magasin, transporter les affaires achetées, donc voilà. C'est vraiment un jeu qui est plutôt sympa. On a aussi bien sûr, voilà, ça c'est une des parties du magasin, donc c'est vraiment une petite partie, donc n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos proposées en ce qui concerne le centre commercial. Donc là c'est juste une petite partie de ce centre commercial. Donc voilà, un peu regarder sur le côté pour voir un peu ce que ça donne. Ici on a notre distributeur de billets. Il fonctionne bien d'ailleurs. Donc là on a une carte de crédit. Voilà, donc là il y a les codes, enfin tout ce qu'il faut. Et bien sûr, les Playmobil peuvent le tenir dans la main. Voilà, on l'a mis dans la machine. Et voilà, il y a l'argent qui sort. Donc c'est des billets de 50 euros qui sortent. Donc je peux encore continuer. Et hop, et là j'ai de l'argent encore. C'est vraiment super bien fait, c'est vraiment rigolo. Et voilà, un autre moyen de le faire fonctionner. Donc là, on peut aussi mettre la carte sur le côté, là. On peut l'ouvrir, en fait. On a une petite ouverture, c'est pour l'ouvrir. Et c'est pour, voilà, là, on peut poser donc, nos billets de banque. Ils se mettent juste là, en haut. Et c'est de là, en fait, qu'ils sortent, hein. Maintenant, après, on ferme à nouveau la machine et on peut à nouveau reprendre notre carte bancaire. Et hop, c'est reparti. Oh, et là, on a 100 euros. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. C'est vraiment super bien fait, c'est sympa, c'est rigolo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire pour me dire un peu ce que vous pensez de tout ça, de l'appareil, enfin du distributeur du billet ou du magasin. Et je vous dis donc à une prochaine. Salut!